revient à point qui sait attendre, 2 ans. Mais 2 ans, ça passe super vite. On se dit, ouais, dans 2 ans, ça va être long. Et non, voici déjà arrivé le jour J. Alors, merci à CorpoArt. Grâce à vous, j'ai pu vous écouter, avoir des conseils pour présenter les œuvres. Puis vous m'avez fait confiance. Merci aussi à mon épouse qui a subi pendant des années là où on vivait. Alors, il y en avait partout. Il y a des moments où il y avait des toiles par terre, de la peinture, des bâches. Donc merci d'avoir supporté ça. Et puis merci à vous, cher public. Merci aux amis d'être venus vous m'encourager. Je peins depuis le siècle dernier. J'ai commencé les arts plastiques au collège et au lycée. Et puis j'ai eu des périodes de maturation et de maturité. Et aujourd'hui, j'expose des œuvres que j'ai peintes il y a plus de 18 ans. Ça s'appelle Émergence, avec un S. Parce que plusieurs émergences, il y a déjà le fait de créer l'œuvre, de la mettre sur la toile, de l'exprimer avec les émotions. Et après, j'ai pas mal d'œuvres que j'ai stockées. Et aujourd'hui, elles ressortent en exposition. Donc c'est une seconde émergence. Je dirais enfin, parce qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il s'était jamais, il n'avait jamais imaginé qu'il serait exposé un jour. Et je dirais là, oui, enfin. Et en voyant l'expo, je me rends compte surtout de l'importance que lui accorde à son art et de ce qu'on peut, nous aussi, accorder à cet art-là. Alors, on m'a beaucoup posé de questions au niveau des émotions. Beaucoup ont vu dans les toiles des émotions différentes. Et certains ont bien compris que ça correspondait à des périodes de ma vie qui étaient plus ou moins différentes. Et là, je suis assez satisfait de la réaction du public. C'est assez profond, les couleurs, le noir, ça reflète une certaine âme, une certaine signature. Cette forme de tableau, là, je les apprécie beaucoup, ça ressemble à une forêt. Une forêt un peu abandonnée, sinon je trouve que les couleurs sont très, très intéressantes. C'est mon premier vernissage et avec le soutien du public, j'espère pouvoir continuer à en faire d'autres, à m'exprimer en travaillant sur d'autres supports selon mes sensibilités, selon mon émotion.